Vous connaissez tous Luigi, et vous savez probablement que dans la saga de jeu Luigi's Mansion, il se bat avec un aspirateur. Dans le premier, celui-ci est appelé Ectoblast 3000 et permet d'aspirer les fantômes purement et simplement. Dans le second opus, il permet toujours d'aspirer les fantômes, mais fusionné avec la lampe torche de Luigi, celui-ci peut faire flasher sa lampe pour effrayer les fantômes. Plus tard, notre héros découvrira le révéloscope, permettant à l'aide de la lumière bleue de révéler des objets invisibles. Mais donc, cet aspirateur s'appelle cette fois-ci l'Ectoblast 5000 ? Vous vous poserez naturellement la question, où est l'Ectoblast 4000 ? Eh bien, c'est très simple, il est dans Mario Kart DS. C'est bien dans son fidèle aspirateur que Luigi fera la course aux côtés de ses amis. On dénote quelques différences comme un aspirateur complètement rouge, même la tête, ou un embout un peu plus rigide et court.